J'ai peur d'être en retard. Julia, Julia Tamstay. De toute façon, mon mari et ma fille sont là. Une nouvelle voisine. Bonjour, je m'appelle Edwige Ledieu, j'habite ici depuis ce matin. J'ai pensé qu'on pourrait faire connaissance tout de suite. Oui, c'est une bonne idée. Julia Tamstay. Monsieur Tamstay ? Non, je... Non, monsieur Orfeu, le professeur de guitare de ma fille. Ah, pardon. Futur prof. Vous êtes contente de vos déménageurs ? Très. Voilà, à bientôt, ravie. Au revoir. Qui sait ? Venez. On se croirait pas en ville, n'est-ce pas? Non, on se croirait dans un jardin. La maison de ma nouvelle voisine. Ah, je crois que mon mari nous attend. Nous avons été contents quand nous avons appris que vous étiez disponible. N'est-ce pas, Graham? Après ce qu'on nous a dit de vous, mon mari n'aurait pas voulu un autre professeur pour sa fille. Oui, à propos, où est-elle? Elle lisait dans mon bureau tout à l'heure. Je viens. Viviane, ma fille, monsieur David Orfeu. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Et si on peut gagner sa vie en donnant des leçons de guitare? Non. Je suis professeur de français aussi, surtout. Mais cette année, j'ai abandonné le français. Trois fois par semaine, ça va? C'est peut-être un peu... C'est bien. Chez vous ou bien ici? Oh, moi, je préférerais ici. Moi aussi. Ici. Vous voulez voir ma guitare? Je vous préviens, elle vaut rien. Alors, il vaut mieux pas? Je suggère que nous achetions à Viviane un très bon instrument. Cela la stimulera. Quand? Demain? Si tu veux. Vous nous conseillerez, monsieur Orfeu? Volontiers. Demain à 11h. À l'oiseau lire. Qu'est-ce que vous fabriquez? Je vous raccompagne. Ah, pardon. Mon usine fabrique des appareils destinés à mesurer les vibrations. Toutes sortes de vibrations. Je crois que vous ne l'avez plus. Mais nous n'avons pas parlé de votre prix. 150 francs par leçon. Très bien, à bientôt. Au revoir, monsieur.